Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. La candidate de Mariée au premier regard 2021 a opéré un changement physique il y a plusieurs mois. Un sujet que Laure a évoqué lors d'une session de questions-réponses sur Instagram, le 5 juillet. Laure est une candidate nature-peinture et c'est ce que ses abonnés aiment. La participante de Mariée au premier regard 2021 a répondu aux questions de ses fans sur Instagram. Le 5 juillet. Et elle a dévoilé un avant-après qui n'est pas passé inaperçu. L'ancienne championne de natation ne cache rien, ou presque, à ses abonnés. Lorsqu'ils l'interrogent sur un sujet, l'épouse de Mathieu répond sans filtre. Et lundi, elle a fait une révélation sur l'un de ses changements physiques. Complexée par ses dents, Laure a pris la décision de se tourner vers la technique Invisalign. C'est un appareil dentaire invisible parce que ce sont des gouttières qui se changent toutes les deux semaines, a expliqué la candidate. Le but? Bien aligner les dents et ce, en toute discrétion. Oui, c'est très discret. Je l'avais dans certains épisodes de Mariée au premier regard. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment que les gouttières sont discrètes. Ça coûte cher. En général dans les 5000 euros, a-t-elle poursuivi. Mieux vaut donc avoir une bonne mutuelle. Mais ce qui compte, c'est que cela a fonctionné. Pour preuve, Laure a dévoilé un avant-après impressionnant. Franchement, c'est chaud de partager ça. Le plus impressionnant, c'est les dents du bas, mais là. Je suis au max du partage, a-t-elle commenté sa publication. La future maman a eu un traitement d'un peu plus d'un an. Et c'est son frère Mathieu, dentiste de profession, qui s'est occupé d'elle. À l'occasion de cette session de questions-réponses, Laure a également admis auprès de ses abonnés qu'elle a connu une relation toxique. Elle a même dévoilé de violents messages que son ancien compagnon lui avait envoyés.